Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour depuis Bayonne, Anglet, LFBZ. Nous allons effectuer le vol Transavia France Soleil 58 Juliette Papa à destination de Paris-Orly avec ce 737-800 de PMDG. Et sur ces belles paroles, bienvenue à bord. On n'a pas lancé le boarding sur GSX. Et on retrouve notre avion sur groupement de cas. Parc, pardon, devrait être contrôlé au départ avec le sol et la tour. Et on verra ce qui arrivera par la suite. Ce sera un petit peu la surprise. Donc, request boarding. Team brief, ok. Ça, c'est bon. Et puis, on va donc pouvoir commencer à paramétrer le vol. Une petite vue quand même sur le côté. Avec un avion statique. Vue à droite. Eh bien, ça va être parti donc avec ce paramétrage. Alors les racks, tiens, les racks n'étaient pas à jour. LFBZ. J'arrive pas à voir le Z. Non, j'arrive pas à avoir le Z. Ok. Ah, ça y est, devrait aller mieux. LFBZ et donc Charlie 6. Charlie. Et Boarding requested. Charlie 16, Charlie. 06. Ça passe toujours pas. Alors c'est pas grave, on va reprendre ici. Compagnie donc LFBZ LFPO. Compagnie route. Activate. Avec un départ Vavix et donc on va copier Do you want to board crew? désormais. Alors oui, je veux. Crew bus is coming. Alors, ground LFBZ Tower. Et le ground qui est là. On va prendre l'information en cours. Qui devrait être donc l'info Foxtrot. Alors j'ai hôtel sur le sol et Foxtrot sur la tour. Bon. Transition level 060, transition altitude 5000 pieds. Départ face à l'ouest. Face à l'est, pardon, runway 09. Ok, ça c'est bon. Et donc l'information hôtel. France Soleil 58, Juliette Papa, bonjour monsieur, depuis Charlie 6, un 737 à copier pour Orly, l'information hôtel à bord. Pilots boarding starting. France Soleil, pardon, Juliette Papa, vous ferez un départ Vavix 2 Delta, montée initiale 070, transpondeur 6, pardon, 6227. Eh bien, autorisé pour Orly comme spécifié avec une Vavix 2 Delta de la 09, départ montée initiale niveau 70 et le transpondeur 6227, France Soleil 58, Juliette Papa. France Soleil, Juliette Papa, relecture correct. C'est copié. Crew boarding starting. Donc
donc avec une Vavix de la 09, donc 2 Delta avec un départ pratiquement dans l'axe et puis un virage sur la gauche, un départ simple, pas forcément le plus beau puisqu'on va décoller dos à la côte. En tout cas, voilà. Fuel, on va prendre un tiers payload. On va prendre, on avait dit 55 packs. Et on va donc prendre 51,6. Toujours pas de FB hein, sur cet add-on malheureusement. On va devoir s'en passer. Réserve, on va mettre 2,5. Cost index, on va mettre 50. Et donc light level, on va mettre 140. Off climb, on va mettre 44. Donc take off flaps 10, la CG est à 23.1. Donc V1 prévu à 130, VR 131 et V2 137 avec un take-off weight à 58.4. Ah, c'est marrant, je le prends pas. On va faire 100. Ah, ça c'est bon. Eh bien, ça c'est bon, on va armer. Alors, on va mettre 165. FD on. AT on, le niveau 70 pour le départ. Ça c'est bon. À démarrer la PU. Light level 340. Pour sortir les checklists. Pendant que ça charge. Et la PU qui démarre. Alors normalement j'ai entendu des bruits comme quoi GSX préparerait bien l'animation dynamique des passagers même en vol, donc c'est à suivre. Alors bascule les générateurs sur APU, ça c'est bon. Bleed. Bonjour Fox, bravo Alpha, on vient de dégager la piste 09 et on souhaite rouler au parking de la version générale. Fox, bravo Alpha, je vous vois sur mes écrans, vous pouvez à présent rouler au parking de l'aviation générale via novembre. Bon, parking de l'aviation générale via novembre, Fox, bravo Alpha. On dîme un petit peu tout ça.
Et donc le code transpondeur c'est 6227. Reply checklist oxygen test 100, nav instrument transfer switches normal, your damper is on. Emergency exit lights arm, the window heat on, pressurization mode selector auto, flight instrument heading height is set, GPS set, you nav, parking brake is. Hi, morning. Yaris, set. Engine start level. Cut off. Check is completed. Fox, Mike, Papa, pouvez-vous répéter si... Donc, Biarritz, bonjour, Fox, Golf, Zulu, Mike, Papa, en TA40 au parking de l'aviation générale. Une personne à bord, demandons tour de piste avec l'information hôtel à bord. Fox Mike Papa, tour de piste accordé, vous assurez des tours de piste en base main gauche, transpondeur 7000. Tour de piste approuvé, vent arrière main gauche, transpondeur 7015, et on rappellerait pour le roulage. Fox Mike Papa, relecture quoi? Bravo Alpha, on est parti en direction générale pour quitter. Pour info, c'est les tours de piste main droite pour la journée. Affirmatif, Fox Bravo Alpha, j'étais pas sûr si c'était main gauche ou main droite. Donc Fox Mike Papa, vous me corrigerez, ça sera à base, ça sera en main droite. Et Fox Bravo Alpha, vous pouvez à présent quitter la fréquence. Bienvenue à Biarritz et bon après-midi. Quitte la fréquence, merci à vous du service et bon après-midi. Fox Mac Papa en courrier, chante arrière main droite, c'est bien ce que je me disais aussi. Mais on est aussi prêt pour le roulage, Fox Mac Papa. Fox Mac Papa, vous pouvez à présent rouler pour l'attente Papa de la piste 09. Grand service. On roule pour l'attente Papa, piste 09, Fox Mac Papa. Release. Donc parking brake c'était 7. Wheel shocks, on va enlever. Les altimètres sont pas calés, 10-19. On sera bientôt prêt au repoussage. Alors la before start, on va attendre un petit peu. Fox Mike Papa, je vous laisse passer sur la tour 118 décimal 7, bon vol. On passe sur la tour 118 décimal 7, Fox Mike Papa, merci du contrôle à tout à l'heure. Les passagers qui embarquent. Et bienvenue à tous les followers qui nous suivent sur la chaîne. Je vous en remercie. Ça charge toujours. Ah, il y a la course. Voilà, deux packs qui ont embarqué en même temps.
Et on va bientôt pouvoir demander le repoussage. Eh bien, France Soleil 58, Juliette Papa, on est bientôt prêt au repoussage et à la mise en route. France Soleil, Juliette Papa, rappelé, hein, donc prêt au roulage et pour la mise en route. Juliette Papa, pour le repoussage, je suppose, face à l'ouest. Juliette Papa, affirmatif, repoussage accordé face à l'ouest. C'est copié. Et bien voilà. Alors, on va pouvoir mettre les fuel pumps. Anti-collision. Hello, Captain. We are ready for pushback. Et donc, before start strictly, flight deck doors closed and locked. The fuel is set. Passenger signs is on. Windows is locked. MCPV 2 heading alt is set. Takeoff speeds V1, VR, V2 is set. CDU pre-flight complete. Rudder and L1 trim free and zero. Taxi and takeoff briefing complete. Anti-collision light is on. Departure check is completed. Bypass pas incertain. L'Navinav Arm, ça s'était pas fait encore. Et donc repoussage dans un instant depuis Charlie 6 de LFBZ Biarritz. Un temps un peu maussade au départ. Et le tracteur qui se met en place. Locking gear. Donc nose to the right. Release parking brake. Brake release. Parking push. All engines clear. Start at wheel. Et donc démarrage du push. Eh bien, Pax, 1, 2, off, Absolute, c'est bon. Eh bien, démarrage du 2. Autobrex Ortio, Flaps. Flaps 10, 7. Please set parking brake. Waiting your confirmation for a good engine start. Et démarrage du numéro 1.
Et avec un petit turboprop qui. Même pas d'ailleurs, un petit avion d'aviation légère. Et le son toujours aussi ahurissant des deux CFM56-7 qui nous propulsent aujourd'hui. Donc, good engine start. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Engine start to continuous. Runway turn off et taxi on. Engine bleed. App you bleed off. Pax auto. Et pas de basculer générateur. Et maintenant, app you off. Unlocking gear. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Enable. Sotrock disconnected. Bypass power mode. Left is clear, right is clear. Ok, et donc on va pouvoir faire le fly controls. Alors. Full left. Full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, full left, full right, neutral. Et le trim, c'est... Eh bien ça c'est bon. France Soleil 58, Juliette Papa, bonjour à nouveau, les moteurs sont démarrés, prêts au roulage. France Soleil 58, Juliette Papa, vous pouvez à présent rouler pour d'attente Papa de la piste 09 via Charlie. Et on roule point d'attente Papa de la 09 via Charlie. France Soleil 58, Juliette Papa. Vérifier quand même le roulage. Normalement c'est tout droit et à gauche. Et début du roulage. Et on a devant nous 2-3-20, un des EasyJet sur la gauche, un d'Air France sur la droite. Évidemment très typiquement représentatif de la desserte locale ici à Bayonne. A noter que Bayonne aujourd'hui est un point d'étape du Tour de France 2023 et donc l'arrivée de l'étape d'aujourd'hui donc se fera dans cette ville.
Et nous, alors que nous quittons cette côte du Pays Basque pour nous diriger vers la capitale. Et la scène qui nous est aujourd'hui proposée par Flybeam. Parfait, before taxi, do not toss to on, probe it to on, anti-ice is not required, isolation valve auto, engine starts with freeze, continuous pressurization packs on, flight auto, auto throttle arm, recalls check, auto brakes are two, engine starts level, c'est idle detente avant le taxi, flight control check, run equipment is clear. Et before takeoff, checklist, et on arrive bien sur papa. Flap set, green light, stabilizer is set. Juliette, papa, on approche papa. France Soleil 58 Juliette Papa, vous pouvez à présent passer sur la tour 118.7, bon vol. On passe à la tour 118.7, merci beaucoup pour le contrôle, à bientôt. France Soleil 58 Juliette Papa, bonjour monsieur sur Papa, prête au départ. France Soleil 58 Juliette Papa, veuillez passer sur les points d'attente, je vous rappelle. C'est copié en patiente point d'attente, papa. Juliette Papa. Parking break 7. Fox Mike Papa en finale piste 09. Fox Mike Papa autorisé complet piste 09, vent 90 degrés, 7 nœuds. Rappelez piste dégagée. Autorisé complet piste 09 et on rappelle piste dégagée. On devrait le voir tout à fait sur la droite donc de l'appareil, ce petit monomoteur bien sympathique. Et en espérant que Paris ouvre d'ici là. Et le voilà, cet avion. Ça ressemble à un Diamond. France Soleil 58, Juliette Papa, remontez à niveau piste 09, rappelez prêt au décollage. On remonte et on s'aligne piste 09 et on rappelle pour le décollage Juliette Papa. Et on vérifie qu'il y ait personne à gauche et personne à droite. Fox Mike Papa, piste 09 dégagée par novembre. Fox Mike Papa, contactez Biarritz Sol 121 décimal. Donc learning, c'était bon. 0, je vous souhaite une bonne journée. Transpondeur. On contacte Biarritz Sol 121 décimal 95. Merci beaucoup du contrôle. À une prochaine fois, salut. À la prochaine.
Donc piste 09, c'est bien ça, identifié. Et donc on arrive sur le seuil de piste décalé de la 09. Ce joli background sur la gauche, notamment de l'aérogare et des services aéroportuaires de Biarritz-Anglet. France Soleil 58, Juliette Papa, prêt. France Soleil 58, Juliette Papa, piste 09, autorisé décollage, vent 50 degrés, windeux. Depuis la 09, autorisé au décollage, piste 09, France Soleil 58, Juliette Papa. Donc on est éclairé, les actions sont faites. La checklist aussi. C'est parti, V1 à 130. C'est parti, N1, Toga. Yo. Toga. Ah. Ah, mais ici. Voilà, N1, Toga. LNAV, Trusthold. 100. V1, rotate. The tip rate of climb, gear up. LNAV. Passer avec Unicom 122 décimales 8, je vous souhaite une bonne journée. On passe sur Unicom et 122 8, merci beaucoup pour le contrôle, à très bientôt, au revoir. Autopilot engage. Magnifique vue sur l'agglomération de Bayonne. Place 5. Speed checked. Flaps 1, speed checked. Flaps up, speed checked. Gear off. Landings off, runway turn off. Engine start to auto.
Et en transition, alors ce qu'on a fait pas fait, c'était ça. Alors, on va mettre niveau 340. J'ai pas mis la transition correctement sur l'ordinateur de gestion de vol. Alors, N1, Elna, Vina Speed, check. On va aller chercher niveau 340 du coup. Là, on va mettre 5000. Bon, c'est pas grave, on le fera en descente, de toute façon c'est bon. Donc altimètre sur standard, ça c'est bon. Ça monte toujours. En route vers Majek, puis Vavix. Et ça se couvre tout doucement, avec un temps déjà maussade au départ. Et cette jolie vue sur la côte atlantique, un peu nuageuse.
After takeoff, engine bleeds on, pack auto, landing gear up and off, flaps up, no light. Checklist completed. Et la petite vue GoPro. Et ça monte toujours, on va aller chercher niveau 340. Donc bienvenue dans ce deuxième vol de la journée, avec après avoir fait un premier vol Paris-Strasbourg en 747-400 BCF, pardon, et bien nous nous retrouvons aujourd'hui à faire ce deuxième vol avec ce 737-800 aux couleurs de la compagnie française, enfin la Transavia France. Filiale de Transavia Netherlands, qui est elle-même une filiale de KLM, et donc on retrouve au sein du giron Air France KLM Group. Et opérant ce vol donc France Soleil 58 Juliette Papa, qui en fait le vol commercial étant le vol France Soleil Transavia 70-11. Niveau 230 bientôt, Eva Vix. Et 10 minutes de vol. Alors que nous approchons, nous sommes à mi-chemin entre Bayonne et Bordeaux. Strasbourg est toujours ouvert. Il y a l'impression qu'ils sont restés ouverts toute la journée, ce qui est cool. Je sais pas s'il y avait un événement. Partie de l'Allemagne aussi, de la Bavière, qui est ouverte. Ouais, pas mal de positions qui ouvrent, c'est sympa. Et Orly pour l'instant serait face à l'est. Aussi, comme Biarritz. France 51, je répète, niveau 150 vers le 250 route Montélimar. Ça monte toujours 13 minutes de vol.
Il vaut 310 bientôt. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, pas mal. Alors, déjà, si on commence par GSX, pas mal d'actualités. GSX devrait nous proposer, lors d'une prochaine mise à jour éventuellement, la modélisation des PAX en cabine pendant le vol, ce qui serait une première. Alors, la seule crainte, quand même, c'est que ça utilise beaucoup de ressources graphiques. Donc, eh bien, c'est à voir, hein. On verra ce que cela donne. C'est annoncé en tout cas. Alors juste petite parenthèse, cela nous permet pour l'instant de voir la petite vue GoPro et puis indéniablement l'essuaire de la Gironde et la région de Bordeaux, Royan, Lacanau. Et après, bon, il y a des nouveautés dont j'ai déjà fait allusion lors des dernières vidéos. On peut évoquer l'annonce et la sortie du trailer de la 330 de Aerosoft qui devrait donc sortir courant. Alors j'ai dit courant du mois de juin, mais en fait, étant donné que le trailer est sorti fin juin et que nous l'avons tous annoncé sur les communautés au même moment. Évidemment, c'est pas fin juin, c'est pas courant juin, ça serait plutôt courant juillet, et voire même d'après les dernières nouvelles, plutôt au courant de l'été. Il s'agit d'un Airbus A330-343 motorisé par des Rolls Trent. C'est dommage que Aerosoft n'ait pas développé un modèle avec une autre motorisation. En tout cas, bon, il a au moins le mérite d'être proposé, d'exister. Il s'annonce comme absolument magnifique, en tout cas graphiquement, et ce que je disais aussi lors d'une des dernières vidéos, et malheureusement le 330 Aerosoft, en tout cas tel qu'il était proposé sous P3DV5, n'est pas au niveau hardware d'un Flight Sim Labs ou d'un 320 Phoenix encore. Donc on va voir comment Aerosoft a fait sa proposition, quelle est sa proposition, comment se positionne la 330 Aerosoft pour FS 2020, sachant que délibérément pour P3D en tout cas, il continuait sur la lignée des A319, 20, 21 professionnels qui étaient un peu en retrait, qui se voulaient plutôt haut de gamme et qui étaient quand même largement en retrait par rapport à Flight Sim Labs par exemple, qui était bien modélisé, hein, graphiquement ça reste joli, mais au niveau des systèmes ça reste quand même un gros ton en deçà du Flight Sim Labs qui règne en maître sur P3D en tout cas. Et donc on verra comment se positionne la 330 Aerosoft pour MSFS 2020, annoncé et devant sortir dans très très peu de temps. 51 chevaux du niveau 180. Aerosoft aussi devrait travailler sur la 330 Neo, donc à suivre également. Question Airbus, puisque l'actualité est plutôt tournée vers Airbus en ce moment, côté Airbus devrait également sortir donc la 300. Alors, devrait sortir. Oui, devrait sortir la version 2 de la 320 de chez Phoenix. Phoenix qui fête d'ailleurs son premier anniversaire, vous pouvez le voir sur leur page, et qui propose un Airbus A320 CO CFM 56 pour MSFS 2020, et donc qui s'attend à sortir. La version 2 avec des améliorations en cascade pour la version déjà existante, notamment avec une utilisation de la mémoire vidéo améliorée, optimisée, avec des écrans mieux restitués, avec des caractères moins gras et moins épais et moins flashy que sur la version actuelle, et des systèmes toujours plus sophistiqués, de mieux en mieux reproduits, et
la sortie du 320 CF motorisé par deux IAE V2500, qui est l'autre motorisation des A320 CO Classic Engine Option. Et donc on devrait voir cette nouveauté très bientôt sous nos, dans nos ciels, on l'espère, pour pouvoir en profiter avant la sortie des MSFS 2024. Et puis, eh bien, il y a NIBuilds, évidemment, notre développeur de cœur, continue sur sa lancée en toute logique après avoir proposé l'Airbus A310 pour MSFS 2020 par défaut avec Asobo, eh bien, a annoncé officiellement le lancement de l'Airbus A300-600 fret pour MSFS 2020 également. C'est une très très bonne nouvelle qui continue évidemment en toute logique sur la lignée de ce qui était sorti pour X-Plane 11 à l'époque et mise à jour pour X-Plane 12, donc qui sont les A300 et A310 qui Airbus avait donc développé à la base. Et donc on a énormément de plaisir évidemment à retrouver sous FS 2020 sans aucun souci. Il y a un Airbus A300 aussi chez Just Light qui est annoncé, qui devrait sortir. Alors là j'ai moins d'infos. Et puis il y a le développement aussi de la 220 et de la 380 freeware en communauté open source par donc la 220 par je sais plus quel développeur. En tout cas basé un petit peu sur la racine, sur la philosophie de Fly-by-Wire, et Fly-by-Wire qui devrait développer, qui développe son Airbus A380 et qui devrait donc sortir, on espère aussi, assez rapidement. On va être vertical Charlie Novembre Alpha, qui n'est autre que le bord de Cognac, et toujours avec un cap nord-nord-est pour rejoindre la capitale, et 21 minutes de vol. Et on va donc pouvoir commencer à préparer l'approche en restant sur une option face à l'est, donc sur Paris. Au passage, la tour d'Orly vient d'ouvrir. Et en fait, pas du tout, on reste pas du tout face à l'est, on va prendre une arrivée face à l'ouest avec du vent. Donc température 24, quenage 10, 15, tempo 280, 15 nœuds, gusting 25, arrive runway 25. Alors,
Ah yes, runway 25. Alors du coup c'était quoi le... C'est une amboise. Yeah, là, ice runway 25. Et donc c'est 9 whisky. Et normalement la transition c'est Odilo 6 whisky. Ensuite, donc on va prendre 111, 75, Et la DH, on va mettre 200. Alors c'est quand même beaucoup plus simple que sur 747, on avait galéré tout à l'heure. Ça c'est bon. Et bien voilà, on est pas mal avec en route vers Vérac puis Poitiers. Et après Poitiers, ça devrait s'accélérer donc avec eh bien le top descend qui devrait être pas très loin. Avant. Avant Omary et donc Amboise, Châteaudun, ce type. Odilo, Vazol, Papa Oscar 615, Vecteur. Alors ça on va le garder, c'est au cas où on serait contrôlé. Un petit peu de drone qui ne nuit pas.
Donc ça vole toujours évidemment. Et on va prendre. Alors, on va prendre la star qu'on n'a pas prise. Et on va prendre niveau 110 en descente. On sait comme ça. Corde est toujours ouvert, ça c'est bien. Ouverte. Une petite dédicace aussi à Charles s'il nous écoute, c'est fort probable. Merci déjà d'avoir partagé tous ces vols lors de cette saison et avec l'équipe de VLV aussi. Et je te passe le bonjour. Je sais pas où tu es, mais en tout cas, voilà, un grand bonjour. L'attaque de base, toujours aussi caractéristique, on a oublié de resetter la MCP. Top descent. Donc ATHR, arm, LNA, VNAV speed, checked. Et on va aller chercher le niveau 110. Avec une contrainte sur Odilo.
Et donc l'arrivée face à l'ouest prévue aujourd'hui à Orly. C'est la mode de parler sur Nikom en ce moment. Je sais pas ce qui se passe, mais... Après, moi je trouve pas ça si mal parce que ça peut être annoncé et ça rajoute un petit côté vocal qui n'est pas désagréable. Ça se dégage. Alors on a un autre trafic devant nous, donc on a France Soleil 89 X-Ray Zulu et c'est un Perpignan Paris sur globalement là avec notre la même standard et donc on est derrière avec notre France Soleil 58 Juliette Papa. Lyon traffic, good afternoon, Red FX Number Victor, Throttle 150, climbing Throttle 300, direct au massif. On approche de la Beauce et ça se dégage sur l'arrivée à Paris. Devrait être un tout petit peu plus nuageuse quand même sur Paris même. Et avec du vent donc. Comme ça a été dit sur la tisse de la tour d'Orly sur 118 décimal 7. Et on aperçoit à gauche la ville de Vendôme. Donc il est 25, we see the approach, climb side ahead. At 700, turn left, max 185 nœuds, maximum 2 and climb 2, 2000
then have the right foot. Donc toujours en descente, on va atteindre le niveau 110 et donc bientôt d'îlot, pile poil sur la contrainte. J'espère que non. Malheureusement, l'approche est toujours pas ouverte sur Orly. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. 44 minutes de vol. Et autre chose que j'ai pas vu sur la carte, c'est le Tech 287. Eh bien, on va descendre vers le niveau 70 dans un instant. On va attendre après Vasol.
Et alors, il se trouve qu'on est en train de suivre probablement le tracé de la ligne à grande vitesse atlantique. La LGV atlantique, donc, qui dessert les branches Bretagne et Bretagne-Pays de Loire, donc pour la BPL et SEA Sud-Europe Atlantique. En fait, pas du tout, c'est l'autoroute. C'est là. Donc je vais arrêter de dire des bêtises. On voit même Roquencourt qui est pas loin derrière. Roquencourt, je vais aussi dire, éviter de dire des bêtises. Saint-Arnoult, pardon, donc c'est pas du tout la LGV. La LGV se situe derrière. En tout cas, on approche de la région parisienne. Ah si si si, non, si si, ouais, j'ai pas dit de bêtises, il y en a en fait la LGV. Oui, non, c'est bien ça, c'est bien la LGV. Et donc Saint-Arnoult en Yvelines ici. Donc la tour toujours ouverte sur Orly, ça c'est bien, mais par contre en revanche, on va devoir se contenter de la tour je pense. Et après Vazol, on va descendre tout doucement vers le niveau 7-0. Et donc Vazol, Papa Oscar 615, toujours avec une contrainte, donc on va attendre un petit peu. J'ai de faire le tour. Vente arrière, main gauche. Et on va pas tarder, c'est même dégagé là, c'est magnifique, on a une vue absolument géniale sur, sur l'Île-de-France, le sud de l'Île-de-France et la capitale. On voit la Seine avec la boucle de Boulogne-Billancourt, le bois de Boulogne et puis donc la banlieue sud et Orly qu'on retrouve ici. Voilà. Pas de doute, on est bien en train d'arriver à destination.
Et on va descendre donc niveau 7-0 maintenant. Et en level change. Retard, Delnav, MCP speed checked. À mettre même 220 nœuds. Il va y avoir du monde sur Orly, par contre, il va falloir être vigilant. RS mais saisissant. On a donc un trafic là sur nos laveurs. Descent checklist, pressurization landing height is set, recall check, auto brakes. One landing data, VREF minimum set, approach briefing completed.
Alors, direct to Charlie India 25. Elle lave. Altimeter is 7 Desserrer 209. Flaps 1, speed checked. Flaps 2, speed checked. Flaps 5, speed checked. En soleil 58, Juliette Papa, bonjour monsieur, en attente d'intégration des axes avec 160 nœuds. En soleil 58, Juliette Papa, la tour bonjour, appelez-moi établi pour lier les 25. On vous rappelle établi pour lier les 25, Juliette Papa. Alors on va armer les spoilers. Et on arrive donc bientôt pour l'intégration des axes. Un deux trafics précédents que l'on aperçoit à nos 11 heures qui est en finale avec le seuil de piste qu'on voit aussi plutôt bien de la 25. J'ai un bug direction sur le casting, je peux plus tourner, donc je m'arrête pas.
Air France 75-91, vous confirmez, vous l'équipez sur Whisky Unité directement? Ouais, non mais je m'arrête là parce que j'ai un bug, sur le joystick, alors je peux plus diriger mon avion au sol. Air France 75-91, c'est bien pris. Bah, vous pouvez déconnecter, là je vous montre fréquence approuvée, au revoir. Quand même pas mis le mode approche. Alors, MCP speed warlock, alt hold checked. Donc la piste est en vue. Un petit peu overshooté le lock. La visu est bonne, la visi pardon est bonne. Glide, you're down. Et France Play 89X13 Zulu, bienvenue à Arly, si vous avez une porte de préférence. Les portes Alpha, si vous le prix de France L 89X13 Zulu. Les France Play 89X13 Zulu, les portes Alpha 2, via aussi 36 3. Class 10, speed checked. Porte Alpha 2 pour. Class 15, speed checked. Pour régénérer le taxi. Whisky 36 et Lima 3. Ok, pour Alpha 2 sur Whisky 36 et Lima 3 pour François le 89 X-ray au Zulu. François 58, jeu de papa, vous confirmez établi LS 25? Oui, effectivement, établi lock et glide, jeu de papa. Et sur 58, jeu de papa, autorisé atterrissage 25, les vents 280 degrés, 12 mètres. Autorisé atterrissage, piste 25, France Soleil 58, je l'ai pas bas. France Soleil Alpha Tango, on est prêt au roulage. Donc on est éclairé. France 64 Alpha Tango, roulé pour un temps de piste 24, il y a Whisky 2, Whisky Unité et Whisky 41. 2000 pieds pour un remis de gaz. Whisky 2, Whisky Unité, Whisky 41 pour la 24 Alpha Tango. Et France Soleil 89 X Zulu, vous maintiendrez Lima 3. 135 nœuds. J'ai bien pris en landing checklist, engine start switches continuous. Le speed brakes is arm, landing gear down, flaps is set, green light. Et bien c'est parti, autopilot off, auto thrust off. Allez, du vent, hein, comme prévu. Et donc c'est bien à 25. Utilisez ma ligne de papa kilo, éléphant, push and start.
Z-Sign and Papa Kilo, pushing search crew facing north, west, correction, northeast QNH-2015. Northeast QNH-2015, you dis Z-Sign and Papa Kilo, we're passing ready for taxi. Et Français 89, X Zulu, continue, roulage Lima 3, Alpha 2. On continue le roulage sur Lima 3 et Alpha 2 pour Français 89, X Zulu. Continue. Reverse is normal, diesel. Manual braking. Sur les 64 Alpha Tango, on est preneur Whisky 46. Français 64 Alpha Kilo, vous confirmez Whisky 46? Négatif, Whisky 42 Alpha Tango. C'est ce que je me disais, Alpha Tango roulez Whisky 49, il y a Whisky Unité. Whisky 42, Whisky Unité, Alpha Tango, merci. C'est 58 de papa, dernier rallye. Est-ce que vous avez une porte de préférence? On est preneur d'écho si possible. Et 58 de papa, vous pouvez rouler écho 61 ou écho 6. Non, correction, écho 6 via Whisky 36 et Whisky Unité. Eh bien, on roule pour écho 6 via Whisky 36 et Whisky Unité. Juliette Bravo, Juliette Papa, pardon. Learnings off. On bascule les générateurs. APU. Départ 24 Alpha Tango. Et donc évidemment la tour dans l'île. Alpha Tango, piste 24, autorisé décollage et vente 280 degrés 12 nœuds. Autorisé décollage 24 Alpha Tango. Alors, quelque chose qu'on n'a pas fait, c'est enlever ça. Ça. Et donc écho 6 ce sera sur Whisky, donc unité à gauche, et donc juste à gauche aussi.
arrivé à la porte Alpha 02 pour France 39 X-Ray de Loup pour quitter. C'est 89 X-Ray Zulu, changement de fréquence approuvé, Unicom 28, au revoir. Bonne fin de tournée à vous, Orlito pour France L 89 X-Ray Zulu. Et un décollage depuis la 24, Echo 06, donc à gauche. C'est 64 Alpha Tango, la suite Unicom 28, au revoir. 28 Alpha Tango, merci du contrôle, à bientôt. Parking Mike 7. Donc l'avion est dans cale. Et bien voilà, c'est fait. Engines. Cut off. Papa Kilo waiting for taxing. Alors, request taxi boarding. Whiskey 3 and Whiskey 41. Et bien voilà, c'est la fin. Ce vol touche à sa fin. Merci immensément de nous avoir suivis. A très bientôt pour de nouveaux horizons. D'ici, vers le reste du monde avec toute la flotte de Simabia Twitch. Ça sent bientôt la fin de la saison. Pour l'instant, on est toujours en vol et on se délecte avec ces différents derniers petits vols de la saison. En tout cas, voilà. Voilà, voilà. Merci immensément donc, de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouveaux horizons d'ici vers le reste du monde. J'espère que vous avez passé un très bon vol en notre compagnie. À très bientôt sur nos lignes. Au revoir, bonne soirée. Je peux enlever les bacon.